Allez, on pose les plots. Je me dis qu'on peut utiliser en fait les arbres qui sont là. On utilise plus souvent ce qui est à notre portée, la nature. Bon là, il y avait un terrain qui était quand même plutôt bien. Tu vois là. Et si je mets 2-3 plots, genre là, on devrait pouvoir faire quelque chose. Ça fait des traces, ils vont pas être contents. Alors le vortex, il est là, il est prêt. Et du coup, je vous laisse en direct. Je vous positionne sur la radio. Et là, on est parti. Un petit spot comme ça. Là, on arrache tout droit. Ça glisse hein, vachement quand même. Hein. Là, on arrive dans l'herbe. Très compliqué quand même à rouler. Ouais. Je vais me positionner autrement. Alors, c'est un test. Hein. C'est pas non plus la machine pour ça. Le but d'ici, c'est de pouvoir rouler une petite XV01 par exemple. Du moins de faire du rallye un petit peu en tamilla. Bon, on a un petit peu d'herbe qui pousse là, à ras. Ici au milieu, on a des petites rigoles qui sont quasiment que du sable. Et plus on s'éloigne par là-bas, là où je vais, là-bas, plus on a du gros gravier, tu vois. Donc ça manque un peu de bosse, c'est dommage. Après, on pourrait mettre plus de plots. On peut aussi, tu vois, tourner autour de l'arbre. Mais en fin de compte, tu vois, je peux pas accélérer. Je suis que en glissade, ça. J'ai pas d'adhérence. Ouais. Les pneus du vortex. Les pneus du vortex, ils aiment pas trop le sable. Dès que je mets un petit coup de gaz, je patine. Autant sur l'herbe, ça va. Wesh. Il doit y avoir un caillou qui s'est bloqué là. Et comment elle a freiné toute seule? Regarde. La transmise, elle est bloquée. On est rempli de gravier. Ouais. Ouais, je crois qu'il y a trop de gravier ici. Hein. Pourquoi j'ai fait un tout droit dans l'arbre? Oh là là! Le run fatal. Alors là, je pense que là, j'ai carrément décranté le sauve-cerveau. Ça fonctionne, mais okay. En fait, le sauve-cerveau là-dessus, le sauve-cerveau là-dessus, j'ai remis celui d'origine et sur le système radio spectrum qu'on avait d'origine, on est en 23 dents. Moi j'ai mis un cerveau du coup standard 25 dents. Et qu'est-ce qui se passe pour le mettre? Et bah c'est du plastique, hein. Donc t'appuies, tu forces. Mais non. Définitivement je crois qu'il y aura trop de gravier pour rouler ici. Si le vortex il n'y arrive pas.
c'est pas avec une Tamiya qu'on va pouvoir faire quelque chose. J'ai plus de direction. Bon, on va arrêter le massacre. Bon, ça veut pas. Hein. On va arrêter le massacre, on va remettre le sauve-cerveau bien en place. J'espère qu'il ne s'est pas trop abîmé, trop limé. On va faire ça à la maison tranquillou. Ceci était juste un essai et comme dit, j'avais pas beaucoup de temps. Donc ça tombe un peu bien en fin de compte, tu vois. On est déjà arrivé à midi. Donc je verrai ce que je fais cet après-midi. J'ai eu encore des lipos. Je pense que cet après-midi, on va rerouler un petit peu. Donc je vous laisse. Bon voilà, il est midi. La matinée, elle s'est très très vite passée. Tu vois, ça allait pas du tout. Je voulais vraiment tester ce petit terrain. Mais définitivement, les graviers là, à mon avis, en Tamiya, ça va pas le faire. Alors peut-être sur le bord où il y a un peu d'herbe, pourquoi pas. L'herbe courte, ça peut le faire. Mais sinon, ça va être compliqué. Il me faut vraiment un terrain en terre. Mais difficile à trouver un terrain, un coin tranquille, pas trop loin de chez moi, où je dérange personne. C'est compliqué. C'est compliqué, il y a du monde partout, c'est pas la campagne ici. Voilà, bon, bref. Alors, on sent de la gloire, on habite en région parisienne, c'est nul. Nul, j'aime pas.